Mais si, exemple, j'ai un webinaire Ubuntu, puis là, je suis là avec Ubuntu, puis avec François, puis c'est génial, ça m'inspire, puis après ça, j'ai un super rendez-vous, puis après ça, il faut que je fasse quelque chose, après ça, j'arrive à la maison, puis après ça, il faut que j'aille m'entraîner, puis après ça, il faut que je fasse quelque chose jusqu'à temps que je me couche, là, de voir des enfants, puis tout ça. Demain matin, il faudrait que j'aille monter montagne, parce qu'il faut vraiment que je sois en super forme, puis après ça, je sais pas quoi faire dans ma vie, je sais pas quelle décision prendre dans ma vie. Ah, moi, je succombe toujours à la tentation, mais moi, c'est les chocolats, mais moi, c'est les chips, je sais pas, je suis à bonne place dans la vie, blablabla. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et c'est saturation au compte, au quotidien. Vous êtes devenu un être qui sature. Qui est toujours en saturation. Puis là, tu fais comme, oh, mais là, pourquoi je suis toujours en train de saturer? Je sais pas ce qui est en train de se passer. Faudrait que j'aille marcher, faudrait que je m'entraîne, faudrait que je prenne des breuvages éliminatoires comme François, faudrait que je prenne des douches froides moi aussi comme François. J'aimerais ça faire une retraite focus avec François, j'aimerais ça. Et là, tu es. Chut. Ta job, c'est juste ça, là. Ça. Juste ça, là. Je sais pas si tu vois, là. Ça.